C'est jeudi soir et que se passe-t-il sur 01 la TV chaque, chaque jeudi soir à 18 h eh et bien voilà, c'est le débrief de l'actualité high tech de la semaine. Bienvenue dans ce 01 Live Hebdo. On va bien sûr ensemble revenir sur toutes les annonces Apple, entre autres. Jérôme, bonsoir. Salut François. C'est vrai que l'actualité high tech cette semaine, c'est principalement ce qui s'est passé hier soir. Vous étiez peut-être avec nous pendant la keynote Apple. C'était à vivre en direct sur 01net TV. Hier, c'était les annonces, aujourd'hui, c'est l'analyse. Voilà, exactement. Juste pour information, vous étiez près de 100 000 hier à nous suivre en live sur 01net TV pour ces annonces d'Apple et on en profite pour vous remercier, bien évidemment. On va donc revenir sur ces annonces d'Apple avec l'iPhone 6S, bien évidemment, mmh, l'iPad Pro, que. Jérôme, et l'Apple TV. Et on essaiera de comprendre si l'apple tv a euh, véritablement un bel avenir en france et puis avec christopher qui est avec nous tout à l'heure euh, eh bien on s'intéressera aux smartphones alors là les plus endurants du moment c'est ça christopher c'est ça salut jérôme salut françois salut. comme chaque mois on met à jour notre Top 10 très attendus des smartphones les plus autonomes du marché et on va vous dévoiler tout à l'heure le nouveau classement. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a l'iPhone 6S à l'intérieur C'était une blague, Christopher. Hein on va pas te poser cette colle, même si je pense qu'on a la réponse. <laughs> Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce zéro en Live Hebdo. Comme chaque jeudi soir, bien sûr, dans Zéro à la vie hebdo. On vous interroge. Voici notre question Zéro à Net Orange de ce jeudi. Y a-t-il trop de smartphones Trop souvent, hein hier soir c'était les nouveaux iPhones, on sait qu'il y en avait eu d'autres à peine un an avant. Euh, bref, c'est en permanence des déluges de nouveaux appareils. It's raining smartphones Est-ce que vous arrivez à suivre Est-ce que vous trouvez que l'innovation va trop vite, euh, qu'il faudrait peut-être marquer le pas un peu Et bien voilà, vous allez sur www.01tv.com et vous nous donnez votre avis, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que finalement cet iPhone 6S a un sens par rapport à l'iPhone 6 Alors certes, il a quelques petites spécificités supplémentaires, mais franchement... Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce ramdam Dites-le nous, on vous attend. La question 01net Orange, Christopher. Donc François, on peut rappeler peut-être avant toute chose que comme d'habitude oui, en toute dehors la du journée, sondage, non, vous pouvez ça. bien évidemment vous poser, nous poser vos questions et réagir sur Twitter hashtag #01live, c'est en direct. Et on est à l'écoute. Allez-y, hashtag 01 live. Le copain d'avant, non Non, c'est fini, il n'y a plus le compte copain d'avant de 01 TV. <laughs> non, 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 c'est fini. Il est, le compte MySpace aussi marche moins bien. Space, ouais. On ne sait plus pourquoi. Bon, voilà, on est sur Twitter. Donc le hashtag 01 live, n'hésitez pas. Christopher, on a passé une belle soirée. il ouais, bien. Hein. Hyper voilà. dense. Ouais, deux heures à fond avec beaucoup, beaucoup d'annonces. Apple a, a, a vraiment mis le paquet hein, dans cette grande salle qui accueille 6000 personnes. Beaucoup d'employés d'Apple d'ailleurs inquiété hein, là. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Tim Cook, à la fin, a remercié euh, et ben, voilà tous les employés d'Apple et a, a dit qu'il était très fier d'eux. C'était mignon. Hein, Jérôme, on a failli verser une larme à la fin. Ah oui, bah, c'est vrai que c'était émouvant, j'en sais rien, mais en tout <laughs> cas euh, dense et intéressant. Hein. Exactement. Alors, on va revenir. Il y a trois gros chapitres euh, de ces annonces. On va pas euh, véritablement euh, euh, faire trop de bruit concernant l'Apple Watch parce que finalement, il n'y a pas eu euh, énormément d'annonces. Mais en revanche. On va commencer par les iPhone 6s, Christopher, ah. Jérôme. Voilà, on ça y est. Par les iPhones, donc. Ben on commence par les iPhone, donc. Eh bon, on commence par les iPhone. Ah non, mais si tu veux, on peut commencer par autre chose. <laughs> Moi, c'est comme tu veux. Mais je sais pas, mais il me semble que quand même le vrai truc, c'est l'iPad Pro, non le, le vrai ouais. euh, machin, waouh. Je, je suis vraiment d'accord avec ah. Jérôme. Euh, c'est un nouveau produit. Bah ben oui. Voilà, c'est un petit événement quand même quand il mmh. y a un nouveau produit chez Apple. Là, c'est un nouveau produit, 12,9 pouces, et puis. Euh, voilà, un, une tablette grand format, puis un clavier. Qui l'eût cru, quoi, Apple C'est le un clavier physique qu'on peut coller comme ça à une tablette. Et le stylet, voilà, on va développer tout ça, mais voilà, c'est déc... pour moi aussi la, la plus grosse annonce de la soirée. On découvre les images tournées hier à San Francisco par Pierre Fontaine. Voilà, c'est spécial. Ce sont nos images maison ah, et là. on voit donc Pierre. Ce qu'on voit, c'est une. Oui, excuse-moi, je te coupe. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. <laughs> c'est une règle virtuelle qu'on qu utilise euh, sur le, le sur l'écran comme une vraie règle, et donc ça nous permet de faire des lignes parfaitement euh, parfaitement droites. C'est plutôt malin. Non et oui, parce que ce stylet, euh, il est quand même donc c'est vrai que c'est complètement inattendu parce qu'on sait que Steve Jobs ne voulait pas de styler sur les tablettes. Pour lui, le meilleur stylet, c'est le doigt et ça resterait mmh. toujours le doigt. Euh, donc voilà, euh, changement de stratégie. Qu'est-ce qu'il fait ce stylet Ce stylet qui sera vendu donc euh, en option euh, 99 euros. Arrêtez de ricaner les garçons. <laughs> et, qui, et qui donc euh, permettra quasiment de, de dessiner comme sur une feuille, hein, puisque c'est destiné notamment aux architectes, The Ouais. Vas-y Christopher, bon courage. <laughs> Vas-y. Non non, le... Alors, faut franchement le doigt, euh, on a vu qu'il y avait beaucoup d'électronique euh, dans ce stylet euh, mais aujourd'hui, on n'a pas tant qu'on n'a pas vraiment testé euh, ouais. le, mmh. le stylet, on sait... ne peut pas vraiment dire ce qui le différencie d'un de... stylet de celui de la Surface par exemple parce qu'on quand... on est quand même assez souvent déçu des stylets hein, ouais, euh, sur vrai. les écrans. Alors, ce qu'on sait juste c'est que c'est vrai qu'en fonction de l'inclinaison on donne au stylet, on a une épaisseur de trait euh, différente. Ça avait la l'air de très bien fonctionner. La pression aussi, la hein, pression on exerce, aussi, on euh, plus, plus forte, ça fait un trait plus gros. Voilà. Euh, ça avait euh, l'air de bien fonctionner. Euh, donc la prise Lightning qui permet de recharger, trois mois d'autonomie. Voilà, bon. Et oui, parce que euh, c'est, il y a vraiment de l'électronique à l'intérieur, donc il a besoin d'être euh, alimenté, rechargé. Vous voilà. êtes en train de faire un petit dessin, tout d'un coup il s'arrête, tu peux pas faire tes derniers traits, c'est un peu embêtant quand même. Donc, et c'est vrai que euh, sur les iPads actuels, on pouvait déjà utiliser des stylés, mais c'est des stylés qu'un bout en caoutchouc, vous savez. Euh N'était pas précis du tout. D'ailleurs, sur Zoranet.com, oui. on avait fait un petit comparatif des meilleurs stylés pour iPad. Je vous invite à regarder. Mais globalement, le, le verdict, c'était que oui. voici le, le moins mauvais des stylés pour iPad. Ça, ça restait du gadget, on ça est ça d'accord. Alors là, que là, on là bon, véritablement, fine. Fine. on voit bien d'ailleurs le images avec le port lightning. Ouais, ouais, voilà, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu n'as pas fini ton dessin, tu le branches dans le port lightning de l'iPad et en 15 secondes, tu peux récupérer, paraît-il, 30 minutes d'autonomie pour finir de dessiner ouais, bien. ou crayons après, il faut voir ce que les développeurs vont faire de tout ça, avec des nouvelles applications, de dessins. C'est ça qui est sympa. Comment les développeurs vont exploiter ce stylet Il y a une question où est-ce qu'on le range, ce stylet Parce que, quand même, dans un tiroir. répondre Dans un tiroir. Quand on l'emporte, on ne peut pas l'enfiler dans le truc. Non, c'est vrai, mais comme il est optionnel, ça aurait été un peu dommage de prévoir un emplacement dans l'iPad. Mais gageons qu'Apple qu va nous sortir une très très belle sacoche belle avec sacoche, le, la petite, hausse, tu sais, euh, sacoche ouais. pour mettre le voilà, la petite sacoche Hermès. Euros. Voilà, 200 euros minimum. Non, mais c'est vrai que bah, voilà, un vrai problème, on va, on va, on va perdre, que... on va perdre notre style, et ça c'est hum, sûr. Microsoft hein. avait le même problème avec la Surface Pro parce que je ne sais pas si vous hum. avez remarqué, maintenant c'est le perdre. Il fallait, enfin, le seul truc qu'ils avaient trouvé c'était l'aimant de la prise d'alimentation. Enfin, c'est le meilleur endroit pour perdre le stylet. Bon, et ne perdons quand même pas de vue que le stylet c'est pas une révolution. Là, on en parle depuis mmh. quelques minutes. Euh, franchement, non, Apple n'a bon rien inventé. Apple. Ouais, euh, la vraie force d'Apple avec ce stylet, c'est encore une fois le vivier d'applications qui vont pouvoir l'exploiter. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on pourra acheter l'œuvre d'art de, de Pierre Fontaine qu'il a fait hier soir Parce que je pense que ça accrocher un mur, ça peut avoir un sens. Bon, voilà, c'est pas grave. Euh, D'accord. Euh, dernière petite chose. Ce stylet ne sera pas compatible avec les, les, les anciens iPad. Hein. Il, il ne fonctionnera qu'avec cet iPad Pro de 12,9 pouces. Hein. oui on voilà. a eu pas mal de questions concernant ce, ce sujet justement sur Twitter hier soir. Il ne sera compatible qu'avec l'iPad Pro. Moi, je mise sur un prochain iPad, le, la prochaine version oui. de l'iPad Air, Bien évidemment. qui sera compatible. Qui sera compatible. Avec ça c'est clair. Ouais, ouais. Il y a Benoît qui nous dit sur Twitter je veux un iPad Pro. Alors c'est intéressant parce que pourquoi Benoît Pourquoi veux-tu oui. un iPad Pro Pourquoi Benoît Explique-nous. Pourquoi Mon cher Benoît, pourquoi euh, Qu'est-ce qui t'apporterait de plus qu'un iPad normal Enfin, euh, qu'est-ce qui te plaît le, le, La taille d'écran euh voilà. Après, voilà, Apple a, a véritablement accès hier à sa présentation concernant sa iPad Pro pour les pros, oui. mais sans doute qu'il y aura des usages aussi pour les particuliers. Hein. Mmh. On peut imaginer qu'avec le clavier optionnel qu'on a vu tout à l'heure, si peut-être Florian peut nous le, re, le, le, le remontrer, très beau clavier d'ailleurs, hein, qui a l'air très sympa. Est-ce que ça peut pas devenir un mini PC euh, euh, Voilà, dans donc oui. toutes ces questions. Et là, ça peut avoir un sens d'avoir ce, ce, cet appareil qui peut peut-être même dans certains cas remplacer un MacBook Air, je ne sais pas. Euh, euh, oui, bon. parce que bon, après la voilà, différence cavier, fondamentale hein. qui va y avoir entre un iPad Pro et un MacBook Air, euh, c'est l'environnement le logiciel. Bien pas, sûr, ouais, d'un côté fait, euh... ça me fait mourir de rire parce que là vous mettez en plus il y a la suite Office. En fait c'est une surface ah ouais, pro déguisée, clairement. Hein. clairement. <laughs> plus fine, <laughs> plus fine ouais, alors, et plus légère. Avec une seule inclinaison, de... pour un, un ouais. seul inclinaison pour un seul type d'inclinaison pour l'écran. Petit avantage là pour l'iPad Pro, on peut l'utiliser sur les genoux. De Manière a priori un peu plus simple que, que ah, ce une, sera que plus simple que, que la surface ah, pro. Ouais, moi je me détache me si de ces systèmes là, ouais. Il ouais, ouais, faut voir. voir. Hein, euh... Bon, en tout et cas, donc, Bruno Cormier, que vous connaissez tous, ouais. a publié euh, euh, Prépare là un, un super papier qui, euh, qui compare euh, dans la philosophie et dans les usages l'iPad Pro euh, au, euh, à la surface pro 3 et donc. Euh, les prix, la manière de, de l'utiliser, les tout applications ça disponibles, voilà, tout ça sur tout ça On que ça commence à 7,99 dollars, mais un petit peu ça. plus, hein, je crois qu'on a 800 et quelques euros. Non, 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 ah non c'est 799 euros puisque ah, le, ouais. le prix sera le même euh, pour la version 32 Go et, et jusqu'à 1080, 1080 euros pour, pour, la, pour la version 28. 4G, 128 Go. Donc euh, ouais. ça commence à faire beaucoup. Voilà pour l'iPad Pro qui, c'est vrai, est, on va dire l'annonce la plus euh, innovante de, de cette soirée. Ouais. Alors l'autre annonce... Eh bien, c'est euh, l'Apple TV. Parce que l'Apple TV, euh, bon, ce n'est que la quatrième génération de ce petit boîtier qui se branche donc sur la télé, mais qui pourrait bien, qui pourrait bien euh, bouleverser un peu la donne. Hein. Alors, d'abord aux États Unis et peut être aussi en France. Oui, c'est vrai. Bon, on a coutume de dire qu'en France, on a un marché des box télé très, euh, très spécial, hein, parce qu'on a des, des box ADSL hyper bien fournies avec un max de fonctions. On le doit en partie à, à Xavier Niel. Et donc, toutes ces box TV, qu'elles soient sous iOS là, ou, ou sous Android, euh, on n'apportait pas vraiment grand-chose de, de plus. Là... Il y a un peu de, il y a un peu de, de, de fonctions supplémentaires, c'est vrai. Mmh, notamment euh, la télécommande hein, voilà, qu'on qu a vue tout à l'heure, qui est une télécommande avec un pavé tactile en haut et qui est bourrée de capteurs, gyroscopes, accéléromètres. Euh, en fait, c'est une télécommande qui a la technologie de la, de la, de la manette de la Wii, hein, c ça. en quelque sorte. Et donc, vous allez pouvoir jouer à des jeux, euh, donc, des jeux du casual gaming, un peu comme des jeux qu'on avait sur la Wii, qu'on téléchargera donc sur euh, un store particulier. Qui, voilà. qui, qui, qui tournera sur TVOS. TVOS, voilà. Et donc, c'est bien là la différence fondamentale de, ce nouvel, euh, de cette nouvelle Apple TV par rapport à, au précédent modèle, c'est que celle-ci est vraiment et ouvertement, en tout cas officiellement ouverte aux développeurs. Donc, euh, au même titre que les iPhones peuvent euh, euh, ont leur store et tous les développeurs peuvent euh, euh, développer des applications pour iPhone ou même maintenant pour euh, la Watch, ils vont pouvoir développer des applications pour la télé, ce qui n'était pas possible avant. Il fallait être un peu. Euh, Partenaire premium ouais. d'Apple pour avoir son appli sur l'Apple TV. C'est-à-dire que concrètement, il y avait déjà des applis comme par exemple YouTube, Netflix, Netflix euh, etc. Voilà. Demain, on peut imaginer euh, toutes sortes d'applis. Hier, ouais. on présentait Airbnb. Bien Et sûr. puis, est-ce que les chaînes de télé n'auront pas intérêt à développer leur propre application ah, Je pense que c'est TF1, France ouais. 2. Euh... C'est la logique. Euh, je pense que d'ailleurs, les premières applications qui vont voir le jour, ce seront les, les applis de replay de, de, bien de TF1, sûr. De, TF1 de France Télévisions, de, de BFM TV, de... bien sûr. Et on sait que Canal euh, a dans le pipe une appli mmh. euh, qui vous permettra sur cette Apple TV eh d'avoir accès à tous les programmes de, de Canal Plus en direct, en streaming, mais aussi avec euh, le replay. Donc euh, voilà. Euh, Donc si j'ai la box, j'ai plus besoin de mon boîtier télé euh, de mon opérateur. Ou bien oui, des fonctions si connectées TV. de mon téléviseur. Mais, mais après, est-ce que la, la, la télé, en fait, le boîtier de la, de la box opérateur n'est pas plus complète Parce que déjà, elle propose toutes ses chaînes de télé avec une très bonne qualité d'image. Mmh. Il faut voir aussi euh, si l'offre de replay sera tout aussi importante. Aujourd'hui, les box ont énormément de services de replay elles ont de la VOD. Et puis là, c'est payant. Alors que la box télé, en général, elle est fournie gratuitement avec, avec mmh. oui. la box ADSL. Après, il y a des services supplémentaires il y a Airplay aussi qui est, qui est Airplay, bien. Oui, est déjà avec, euh, disponible Apple. sur la Freebox Révolution. Mais est-ce que les gens vont mmh. débrancher cette télé pour mettre une, un Apple TV dessous Sans doute certains, hein Ce, ceux qui sont habitués à cet environnement euh, Apple. Mmh. Mais les autres, rien n'est moins sûr. Mais on sait très bien qu'Apple, de toute façon, ne sort pas cet Apple TV pour le marché français. C'est peut-être le marché oui, le plus compliqué pour eux. Absolument. Il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, le marché est complètement différent. Il n'y a pas ces box ADSL. Donc, le, le, en théorie, le marché est beaucoup plus important aux États-Unis dans les autres pays du monde. Et peut-être la clé du succès de cet Apple TV. Encore une fois, ce sont les développeurs au même titre que pour la Watch, pour l'iPhone et pour tous les produits Apple. Si les développeurs arrivent à nous sortir des applis vraiment différentes, vraiment qui nous changent l'usage de la télé, euh, bon là maintenant on voit pas trop comment ils peuvent faire parce qu'il ya déjà beaucoup de choses qui existent. Mais si euh, on a des applis hyper sympa et qui donnent envie sur l'Apple TV, peut-être qu'on va y passer mmh. aujourd'hui en l'état. Euh, c'est pas le cas. Hein. Ouais. Gardez vos box et aucun problème. <laughs> ouais. Moi en plus, moi j'ai quand même quelques doutes en, en termes d'expérience utilisateur, c'est à dire que on ne peut Enfin, c'est pas de mal la veille qu'on pourra zapper sur une Apple TV, passer d'une chaîne à l'autre aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui avec une box. Euh, TV aussi facilement et aussi rapidement, que et où oui. tout est optimisé. Euh, voilà. Mais bon, intéressant. Apple met un second pied dans le monde de la télévision mm -hmm. après euh, cette Apple TV. On rappelle le prix, on est aux mm -hmm. alentours des 160-170 euros, je crois. Pour la version 32 Go. et Un peu plus de 200, quasi 200. Un peu plus 200 plus, euros euh, à peu près. Voilà, plus, ouais. voilà, pour, voilà la pour la version 64. 64 gigas. Ce qui, pour le coup, enfin moi personnellement, je ne trouve pas ça excessif. Hein, quand on regarde le prix des, des box Google d'une de l'époque, c'était quand même 250 euros. Euh, voilà. Là, on a 32 gigas, 150 euros. Bon, avoir. Bon, C'est pas délirant. Je trouve pas ça délirant pour un produit Apple en tout cas. Vivement qu'elle arrive dans les, euh, on va dire dans le labo Zeronet pour qu'on puisse la tester cette box. On revient un petit instant, si vous le voulez bien, à l'iPad Pro. Benoît nous a répondu sur Twitter. Alors, c'est vrai, Benoît qui dit qu'il est intéressé, et pas forcément à titre professionnel, bah tout simplement pour la taille d'écran, pour lire des revues, et pour regarder 01 Live tous les jeudis, il aimerait bien une tablette de 12 pouces, et surtout que maintenant, dans iOS 9, on peut faire du split screen. Enfin, on peut partager l'écran en deux. Hein, mmh. Donc, euh, ça, voilà, des cool. fonctionnalités ouais. nouvelles. C'est vrai que 0 zéro... live hebdo sur un écran de 12,9 pouces, ouais, ça donne. Ça, le fait. ça doit être pas mal. Moi, pendant ce temps-là, je jette un oeil sur notre question 01 à net orange. Je vous rappelle que chaque jeudi, euh, eh bien, on vous interroge dans ce 01 live hebdo. La course à l'innovation, y a-t-il trop de nouveaux smartphones C'est vrai que euh, des constructeurs comme Apple sortent un nouveau modèle tous les ans. Est-ce que c'est pas un peu artificiel, cette course euh, à l'innovation plutôt au marketing, parce qu'on se rend compte justement que l'innovation est quand même assez, parfois assez limite. Eh bien, pour l'instant, voilà le résultat. Vous êtes euh, so presque 65% ouais, à dire oui. Euh, donc il y a trop de smartphones qui sortent trop souvent. Trop souvent, mais c'est vrai qu'on vient d'acheter un smartphone et puis hop, on parle déjà du suivant. Euh, celui qu'on a en poche est presque démodé. Ouais, ouais. euh, c'est à la fois séduisant et en même temps c'est complètement infernal. On ne on s'en sort pas. On sort pas. En non, en mais fait, euh, personne n'oblige euh, les gens à les acheter. Hein. Non, 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 mais, mais c'est clair. clair. Si, si, les, si les gens arrêtaient de les acheter, les fabricants arrêteraient de, 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 de les renouveler aussi, euh, aussi souvent oui, mais je crois que quand tu es geek, tu aimes bien avoir le oui. dernier produit. Et là, je veux dire, tu te saignes aux 80 pour euh, acheter un super truc qui coûte cher. Et puis, euh, un an, même six mois après, euh, il est déjà. Euh, il n'est plus à la mode. Il n'y a, a pas seulement l'aspect techno, mmh, mmh. il y a l'aspect mode aussi. Mais ça a toujours été comme ça, depuis le premier iPhone, il y a un oui, peu les mais ans. Oui, mais j'ai l'impression aussi que là, l'innovation technologique ralentit un peu. Je, je trouve que dans ouais, les, d, avec les précédents modèles, on avait véritablement même entre eux, par exemple le 4 et le 4S, mmh. il y avait un vrai gap euh, technique. Le 4S, on passait à du 8 mégapixels et on passait d'un appareil photo qui était somme toute assez moyen à un excellent appareil photo. Mmh. C'était aussi le Retina qui arrivait. Enfin bref, il y avait plein de nouveautés. De et rupture. là, on, on se rend compte que la machine ralentit, la machine de l'innovation ralentit, et que parfois, voilà, on se dit tiens, allez remettre 800 euros encore pour un nouveau téléphone alors qu'on a peut-être la précédente ça, version. Euh, il y a ça et peut-être c'est aussi notre perception des technologies qui a changé. On est aussi beaucoup plus gourmand et de plus en plus gourmand. Oui. Euh parce que mine de rien, ça, un, un, le marché du smartphone est arrivé à maturité aujourd'hui et autant au début on était enthousiasmé par euh, la moindre petite nouveauté euh, sur, les, sur les produits, mm. euh, je m'en souviens enfin, franchement, oui, je bossais là-dedans et quand ça vraiment, tout ça a vraiment explosé aujourd'hui c'est un marché mature bon ouais, ton, ton smartphone il fait de la 4K euh, très bien, euh, so what, ok tu peux déverrouiller ton écran avec un lecteur d'empreintes digitales, euh, oui bon bah, c'est bien, oui, que, alors que c'est des vraies innovations en fait, oui, bien ce sont sûr. des vraies innovations mais ça, si sont rentrées dans le quotidien et si on nous donc... avait dit il y a Peut-être 5-6 ans qu'on pouvait déverrouiller et je parle pas que de l'iPhone, hein. je parle aussi de plein de smartphones Android qui le font. Si on nous avait dit il y a quelques années tu pourras déverrouiller ton smartphone avec ton empreinte digitale, on, on, on aurait dit mais non. Mais oui, oui, mon fils n'en a pas les... besoin. Ouais, c'est sur les. Il oui, va retourner euh, voir euh... un film avec ouais. Tom Cruise quoi, c'est ça ouais. en gros. Eh ben, on est alors, un peu gourmand, c'est le cas, c'est le cas. Ouais. Euh, Bien justement, on va quand même euh, détailler ce, ces nouveaux iPhone 6S qui ont été annoncés. Déjà premier constat, tout avait fuité sur le web, hein. on savait tout. À l'avance, hein, Christopher à Jérôme. Voilà, toutes les spécificités étaient, étaient connues. On sait qu'ils ont le même design, même taille d'écran que les actuels. Il euh, y a une couleur en plus, le rose. Il y a aussi des supports maintenant dédiés. Les vous les doc, voyez, ouais. hein, qui n'existaient pas auparavant, enfin pas du tout sous cette forme. Enfin non, pas pour cette génération d'ailleurs. Oui, les docks existaient pour les 3G, les 4G. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'y avait pas de dock pour ces modèles-là. Et on gagne principalement un meilleur appareil photo, oui. 12 mégapixels, alors qu'avant on était à 8. Et principalement l'arrivée de la fonction 3D Touch. Voilà cette fonction 3D Touch qui euh, vous, vous permet en fait d'avoir des menus supplémentaires dans dans votre téléphone simplement en appuyant un petit peu plus fort sur l'écran. Voilà c'est-à-dire qu'en fait l'écran va comprendre que vous appuyez un petit peu plus fort et à ce moment-là va vous proposer donc des menus supplémentaires. L'équivalent du clic droit en fait hein, sur. Exactement, aux... c'est ouais. exactement ça. Voilà. Hum. Euh, alors bon, sur le papier, ça a l'air intéressant. On va voir après oui. comment les, les développeurs, parce que c'est eux qui ont la clé, hein, comment les développeurs vont s'accaparer cette ça. technologie et euh, modifier leur application. Voilà, on voit ce que ça donne, par exemple, sur certaines applis. Je, en cliquant sur l'icône appareil photo, enfin, non, non pas en cliquant, mais en laissant le doigt appuyer, et bien, ça ouvre des ça menus euh, menu. voilà, ouais. contextuels euh, différents. Je suis un peu sceptique, hein, personnellement, sur ce menu contextuel. Euh, mmh. On en a parlé un peu hier, mais moi j'ai peur que, que ça, ça complexifie euh, ouais, un petit peu vrai. les choses. C'est ça qui me fait peur aussi. Mais pour les gens, c'est bizarre. Ça fait un peu tâche, un clic droit sur <laughs> iPhone. <quoi. rire> un Même Android euh, <laughs> le fait pas quoi. Le clic droit est arrivé tard sur Mac. Hein. Mmh. Ça n'existait pas vrai. avant. Je suis curieux de savoir que, comme comme non, hein, ce que comme d'habitude, ce que Steve Jobs en penserait de, de tout ça. Mais euh, je ne sais pas si ça va dans le bon sens. Ouais. Et notamment, notamment concernant le stylet hein, qu'il a toujours décrié et qui arrive donc sur l'iPad Pro. Mais bon, voilà, voilà pour ah, la bonne euh, bah question. Pour le le on stylet le de l'iPad Pro fonctionnera-t-il sur l'iPhone 6 iPhone avec mmh. 3D Touch mmh, ah Je pense pas. Je pense pas que ce soit la même technologie. On pourra tester. Hein Testeur. Voilà. Je, je veux dire Je pense qu'on va, on va, <laughs> on guetter le facteur <laughs> quand tous ces produits Apple vont arriver pour qu'on puisse les tester et vous dire véritablement ce qu'on en pense. Voilà. Côté prix, euh, les iPhone 6s seront un petit peu plus cher que les iPhone 6 aujourd'hui. Oui. Hein, oui. Voilà. Donc la parité a... euro-dollar n'étant pas forcément notre faveur, et eh bien voilà, Apple a ajusté ses prix à la hausse. Oui, contrairement à ce qu'on a pu, euh, on a cru comprendre mmh. hier, c'est vrai qu'ils seront, euh, ils seront beaucoup plus chers. Et, est -ce y... et on peut aussi dire, c'est intéressant que les iPhone 6 actuels continueront d'être commercialisés, mais n'existeront plus en 128 Go. Voilà, exactement. Euh, Ils s'arrêteront à 64 gigas. Euh, et là puis toujours l'iPhone sur... 5S qui restera, qui deviendra l'entrée de gamme et l'iPhone 5C qui disparaît. 5C qui, sort. qui remplace le 5C en fait. Hein. Voilà. Ouais, bon. voilà ce qu'on pouvait dire sur le. Voilà, en quelques minutes, euh, sur ces annonces Apple. On va y revenir dans les jours qui viennent, bien sûr, avec la prochaine étape, les produits qu'on a hâte de recevoir pour vous les montrer sur 0Net TV. Voilà, il est 18h22, vous regardez 01 Live Hebdo et nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer cette semaine. Pas de Delphine Sabatier, ah malheureusement. Ça c'est terrible. Là. Delphine à la piscine cette semaine. Ce oui, sera, non mais elle sera là la semaine prochaine. Ouais, voilà. elle, sera là. elle sera là la semaine prochaine. On va rester avec Christopher euh, ah, reste. pour continuer notre... Euh, bah, on va malgré tout rester dans ce qu'on fait d'habitude. Donc on part sur la partie labo tout de suite avec Christopher. Avec un petit jingle, juste avant. Allez, mmh. jingle, comme on dit. Et monsieur Labo, c'est Christopher Siminelli. Ah oui, là, on, on amortit Christopher en ce moment. Autant <laughs> vous le dire. Il hein, n'y a pas de problème. Je suis exploité. Bonsoir Christopher. Comment bonsoir, ça va Jean, Bonsoir François. <laughs> Salut Christopher. Donc, euh, rédacteur en chef du Labo. Euh, avec un, un comparatif très intéressant, on reste dans les smartphones. Mm -hmm. Cette fois-ci, on quitte le monde Apple pour s'intéresser en fait, aux smartphones les plus endurants du moment. Il y a un comparatif euh, en fait qui est réactualisé régulièrement et qui montre en fait les 10 meilleurs smartphones les plus endurants du moment. C'est ça, Zoranet, on est des, un peu des extrémistes de l'autonomie, on adore ça, on adore l'autonomie. Et donc on s'est dit, tiens, chaque mois, on, a, on va dresser la liste des 10 meilleurs smartphones euh, qu'on teste depuis, euh, voilà, depuis les débuts euh, du labo, en tout cas sur les, des, des smartphones récents, bien sûr. Et donc euh, le top 10 euh, en cette rentrée a 3 nouveaux entrants. Ce qui, est euh, ce qui est assez rare. Par alors exemple, juste, celui du mois dernier n'avait pas du tout bougé. Juste, là, une nouveauté. juste une précision. Dans ce top 10, il n'y a pas d'iPhone. Où est-ce qu'il y en a Non, aucun iPhone. Et voilà. Donc, aucun iPhone. Alors, est-ce que justement les nouveaux iPhone 6S rentreront dans ce top 10 des smartphones les plus endurants On verra ça aussi bientôt. Donc voilà ce dossier que vous pouvez retrouver sur zeronet.com. Euh, on vient de voir le numéro 10. Tiens. <laughs> le numéro 10, <laughs> il est là <laughs> Ouais, alors, le, le, le numéro 10, le Galaxy S6 Edge Plus, alors franchement c'est dans la tradition des, des grands smartphones euh, chez de, de chez Samsung ouais. qui ont toujours eu une très très bonne autonomie. Voilà, ouais. il, il est très, tout simplement euh, dans la lignée des, des autres. Le Galaxy Note 5, qui je le rappelle ne, ne, oui, on ne verra, sortira pas en France. Hein. On ne verra pas en France. Euh, lui aussi a une autonomie euh, très très bonne. Et le Note 4, par exemple, l'ancien modèle, est resté très longtemps dans ce top 10. Euh, les évolutions technologiques ont fait que finalement, donc... il a été poussé vers la sortie. Mais si vous voulez un grand smartphone endurant, ouais. euh, c'est un très bon choix. Mais alors s'il si, si est numéro 10, ça veut dire que malgré tout, c'est le moins bon. C'est ça C'est le moins bon des 10. Vous savez, on teste euh, environ euh, 3 à 4 smartphones par semaine. Non, mais c'est le moins bon des 10 C'est le moins bon des 10. Voilà. Ouais. Alors, il est, il est en dixième place. Mais il est quand même dans le top. Ah oui, ah oui, oui. Numéro 9. On ta Numéro 9, ta -ta -ta on va le voir. C'est un Wiko. Le Wico Up 4G dont on parlera un tout petit peu tout à l'heure. Mais c'est une vraie, vraie bonne surprise. Oui. Et euh, ou bien on peut aller, on va en parler maintenant. Allez, on y va On l'a testé cette semaine. C'était une super bonne surprise au labo de, de Zeronet.com. Qu'est-ce qu'il faut dire Wiko, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, à Barcelone, ils ont présenté beaucoup de smartphones avec un design très réussi. Euh, et, et beaucoup de smartphones à 300 euros, donc plutôt au milieu de gamme, ce qui ne leur ressemblait pas. Mmh. Et Wiko, c'était un four commercial Aïe. Voilà, ils ne se sont pas du tout vendus. Et donc Wiko revient à ses fondamentaux. Là, ce smartphone qu'on a vu, 149 euros. 149 euros. 149 euros. Et encore euh, sans offre euh, de remboursement, etc. Et on sait que Wiko aime bien en faire. Donc c'est quoi C'est un smartphone de 5 pouces, sous Android Lollipop, euh, bien sûr. Un petit, un petit processeur euh, Mediatek. 4G, donc, malgré voilà, tout. Voilà, enfin, un smartphone 4G, un ouais. petit processeur Mediatek, mais qui suffit largement mmh. pour les usages basiques. On a été très surpris par l'écran. Euh, luminosité de 500 candela par mètre carré ce qui est franchement euh, très très bon, et un taux de contraste de 1 pour, euh, pour 1500. 1500 pour 1 plutôt. Il a euh, beaucoup, qui pas est, mal de qualité qui est franchement euh, Donc ça en fait un très bon rapport qualité-prix. Au niveau des, des amolettes, quoi. D'accord. Voilà. Parfait. Et donc, 9ème bon. de ce classement. On va poursuivre euh, avec le numéro 8, Christopher. Ah, il est où le 8 le 8 et où Attends, ah, je pense qu'il y a un petit. Ah, y a, y a, en fait, il y a du 7 execo. Ah, c'est ça, il y a du 7 execo. Et oui, oui, oui du 7 execo. Ex ouais, ouais, ouais. Avec encore un Samsung. Encore un Samsung, le S5, euh, le S5 mini. Ça fait ouais. un petit moment qu'il est là. Euh... Mmh qu'il est là dans ce classement, c'est aussi un très bon choix, donc la version mini du Galaxy S5. Ensuite, le nouvel, le nouvel arrivant, c'est le G4 Stylus, donc la version d'entrée de gamme du G4 qui, euh, lui, a un stylet. Ah oui, donc, oui, bah, il oui, n'y a pas qu'Apple qui fait. Il est sorti en France, G... celui-ci est... Oui, bien sûr, il sort. Est euh, il est sorti ces jours-ci. Euh... En fait, c'est le Galaxy Note de LG, quoi, en gros. Voilà. Ça, hein. Bon, en beaucoup euh, beaucoup plus d'entrée de gamme. Après, le mmh. reste du classement n'a pas évolué par rapport au Alors, au mois précédent. Eh bien, a... il faut aller sur le site pour le découvrir. <laughs> oh là là, voilà. le suspense voilà. On va pas donner le numéro 1 quand même, on va laisser le premier. Moi je propose que on Orange Noura, On le cite quand même parce que c'est très fort le Orange Nura, c'est un smartphone sous la vendu sous la marque Orange et ça fait au moins 6 mois, 6 7 mois qu'il trust la première place. Et c'est un très bon rapport qualité-prix en plus. Très bon rapport qualité. Voilà, donc c'est étonnant parce qu'on peut avoir d'excellents rapports qualité-prix des smartphones à 100 150 euros, mais qui en plus sont classés dans le top 10 des smartphones les plus endurants. C'est quand même c'est quand même incroyable à regarder donc sur 01net.com. Merci beaucoup, Christopher. Merci à vous. Voilà. Euh, et ce classement, bien évidemment, est réactualisé euh, régulièrement dès que de nouveaux smartphones arrivent, bien évidemment. Euh, sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, dans ce zéro en lave-hebdo, il y aura des cadeaux à gagner. Mmh. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais si vous aimez les enceintes Bluetooth, j'en dis quand même pas mal, eh bien... Euh, écoutez-nous et jusqu'à la fin de l'année, on aura des cadeaux sympathiques à vous offrir. Je vais regarder, euh, tiens. Voilà, tu <laughs> pourras regarder Christopher et peut-être même jouer, même si je crois que tu pas le droit en fait. Voilà, as voilà. pas le droit. Hein. Un dernier mot sur la question zéro net orange, Jérôme Oui. Trouvez-vous qu'il euh, y a trop de smartphones, qu'il sort trop de, de téléphones Eh bien, oui, à 67 presque. Ça a augmenté encore ouais, par rapport à tout se à l'heure. encore. Hein. Ouais, ouais. Donc. Euh, Apparemment, euh, c'est une bonne question et non à 33%. Voilà, n'hésitez pas à continuer de voter. Hein, on fera un point, euh, bien évidemment, la semaine prochaine. Pratiquement 18h30, ce zéro à live et de est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que, bien évidemment, dès que nous recevrons ces nouveaux produits Apple, eh bien, on vous les montrera. Ici. on les, montrera, on on les fera fera prendra des en test, on, fera des on démos. les triturera dans tous les sens parce que on sait que vous attendez ça avec impatience. Euh, si tout va bien, ce sera, peut-être semaine prochaine ou dans une dizaine de jours, puisque rappelons que ces produits, en tout cas l'iPhone 6S, sera disponible à partir du 25 septembre. 25 hein. septembre. Voilà, c'est ça. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-David Duarte et Florian Beaufreton pour la réale de ce 0 à live Hebdo. Et puis on se retrouve jeudi prochain et bien sûr chaque matin pour la vidéo du jour. Effectivement. Et puis merci à tous ceux qui nous ont laissé des petits messages encore une fois ce soir sur Twitter avec le hashtag 0 à live. Portez-vous bien, bonne soirée. Salut à tous.